planté. Il fait du bon boulot, les gars. On a fait de notre mieux. Allez, on va voir le fort de la laisse. Au revoir, bonne journée. Au revoir. De cette chose qui carillonne. Et si tu la pendais au crochet? Hé, hey, doucement! Alex, c'était calme ici. C'est Bobby Mills, notre hooligan local. T'as pas l'intention de faire quelque chose, les shérifs? Quelques jours de la retraite? Ça ne m'était pas lui. Il y a des comportements qu'on retrouve partout où qu'on aille. Ah, je croyais que tu voulais mettre les choses là où ma mère les mettait. Mais si tu veux pas... Jack, c'est moi qui ai eu l'idée de faire ça. J'aimerais que tout soit exactement comme lorsque tu étais enfant. Alors dans ce cas, il faut mettre les couverts en argent ici. Je crois pas, non. Qu'est-ce que tu viens de dire, Auguste? J'aimerais que tout soit exactement comme lorsque tu étais enfant. Tu te fiches de moi? Non, mais je me souviens que les couverts en argent étaient ici. Où est ton oncle Harry? Il fait tout pour éviter les tâches les plus pénibles. Papa! Qu'est-ce que je vois? Oh. Mais qu'est-ce que tu fais, Hélène? Et toi, Maggie, tu joues les jardinières? Je ne sais pas si j'ai mis assez de terre et si le pot est assez grand. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, moi, je suis... On a de la visite, je l'ai trouvé de l'autre côté de la... Jacques! Ah, je ne pensais pas te revoir un jour. Non, j'ai été tellement triste. Quand ta mère nous a quittés, je l'adorais. Elle était si gentille. Allez, je sais. Bien, Claire. Je te présente Ben Goudreau. Bonjour. Je suis ravi de faire votre connaissance. Voici ma femme Claire. Ben et moi, on a grandi ensemble. Et la jeune artiste qui est là, c'est Hélène. Bonjour, Hélène. Et voici Maggie, notre éleveuse de vers de terre. Je n'élève pas des vers de terre. Ah, mon père se taquine. En tout cas, il vous a bien réussi. Il s'est toujours entouré de jolies filles. Et là, il en a trois qui sont magnifiques. Vous êtes allés à l'école ensemble? À l'occasion. Oh. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais pour gagner ta vie? Je travaille pour Revland Construction, en attendant de monter mon entreprise. Hey, on peut avoir besoin de lui? Non. Oui, je suis pas là pour vous demander du travail. Je suis venu pour vous souhaiter la bienvenue et pour revoir ta tronche. Je suis pas à la recherche. Ah oui, je sais, mais tu connais cette maison par cœur aussi bien que moi, non? Et ça, c'est sûr. Oui. Tu gardes le salon particulier? Le salon particulier. Et il faut leur montrer notre salon. Allons-y, les filles. Qu'est-ce que c'est? Allez voir ça. Ah, allez. Ça, voilà. Attendez un peu. C'est ça votre salon? Allons-y. Il est interdit de se moquer de notre salon. Dans mon esprit, c'était plus grand que ça. C'est ici que ma mère rangeait tous nos vêtements d'hiver. Dès que la belle saison arrivait. Est-ce que ça pourrait être ma cachette? Jack, tu crois que ça ne risque rien? Non, absolument rien. Il y a une porte qui donne sur la cave. D'accord. Encore une tradition qui va pouvoir être transmise. Alors, tu commences quand? Oh, Jack, je suis pas venu pour ça, je te l'ai déjà dit. Ne te crois pas obligé de... Ben, acceptez, vous êtes la personne idéale. Il y a de quoi faire, elle est grande. Réfléchis, d'accord. Hey, j'ai l'intention d'aller pêcher demain matin au lac Warnack pendant une heure ou deux. Si tu venais avec moi. Oh, j'aimerais bien aller pêcher avec toi, Jack, mais j'ai un chantier à finir rue Lawson et j'ai encore beaucoup à faire. Alors, dîner ici, à 7h30? Ça oui, ça me convient. Je peux embrasser ta femme? Évidemment. Allez, à demain. On se voit demain pour le dîner. Et ne sois pas en retard. Non, le nouveau Ben est très ponctuel. Chérie, j'ai une idée. Si on en faisait notre cachette à tous les deux et qu'elle soit interdite aux filles... À mon avis, c'est trop tard. Elle considère déjà que c'est à elle. Regarde, j'ai retrouvé ça. C'est Ben et moi, il y a pas mal de temps. Je t'ai jamais dit, mais quand on était jeunes, une fois, on a eu des ennuis. C'est vrai? Ouais, on a eu un accident de voiture, le chauffeur était ivre. Il y a eu des dégâts? Les passagers ont été tués, ceux de l'autre voiture. Marty a fait de la prison, c'est lui qui conduisait. Ben et moi, on s'est fait réprimander. Ouais, c'est terrible ce qui est arrivé. Pour tout le monde. Oui, c'est vrai, mais je crois qu'on a assez parlé du passé. Pour aujourd'hui, ce serait bien...
On parle un peu de l'avenir. Et plus précisément de demain. Je voudrais savoir combien de poissons je vais attraper. Oh non! Tu vas revenir avec combien de poissons? Je suis trop fatiguée. Allez, Claire. 4. 4? Attends un peu, si je reviens avec 4 poissons, ça suffira jamais au morphal que vous. C'est ce que j'ai vu, Jack, 4 poissons. Il m'a déjà vu rentrer avec seulement 4 poissons. Manqué. Je serai de retour pour 7 heures, promis. Tu vas où déjà, chérie? Au lac Warneck. C'est pas loin. Au lac Warneck. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Rien. T'as intérêt à sortir plusieurs poils, là. Ah oui? Parce que je vais te ramener un panier plein de poissons. Tu seras plus oui, en fait. Ça, on a failli oublier de m'embrasser. Mais non, papa. Je t'aime, papa. Vous avez décidé de venir avec moi? Non, pas question. T'aurais dû avoir des garçons. Je blague. Ce soir, soyez sage. À ce soir. Ravie de vous connaître. Moi, c'est Claire Banyan. J'habite de l'autre côté de la rue. On vient juste d'arriver. Ah, c'est vrai? Quand les déménageurs auront fini, passez nous voir, vous dînerez avec nous. Mon mari est allé pêcher au lac Warneck, il va pas tarder. Volontiers. Bienvenue dans le quartier. Merci. J'ai fatigué, je vais faire une sieste, et toi aussi. J'ai une meilleure idée. Tu vas faire la sieste et moi, je regarde la télévision. J'ai une meilleure idée. Non. Allez, viens. Sheriff Banyan. Arrête. Il est en train de mourir. Claire? Claire, c'est bien toi? Jack est en train de mourir. Je l'ai vu. Où es-tu, Claire? À la maison. Jack est au lac Warneck. Faites quelque chose, je vous en prie. Il va se noyer.
Claire, ça va aller. Je peux faire quelque chose. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je crois qu'il fixait le bateau à la remorque et le crochet du treuil a dû lâcher. Jack a été emporté. Pas ce qu'on fait là. C'est vraiment gentil d'être venu. Jack était l'un de tes amis, Marty. Ouais, il y a 20 ans, je l'ai pas revu une seule fois depuis, pas une seule. Raison de plus pour lui rendre un dernier hommage. Dis-moi, pourquoi tu me rends jamais hommage? Marty, tu peux la fermer. C'est vrai ça, hein, Danny? J'ai pas raison. Hein? J'aurais aimé avoir un père comme lui. Un été, Maggie avait le cafard dans sa colonie de vacances. Sans hésiter, il a pris sa voiture et il a fait 650 km de nuit pour aller la chercher. Non, franchement, je ne pense pas. Harry, c'est le bon moment. Excusez-moi. Claire, Dana voudrait te présenter ses condoléances. Bonjour, je suis Dana Kendall, la femme de Marty, un ami d'enfance de votre mari. On tenait tous les deux à venir vous présenter nos condoléances. Je suis vraiment navrée de ce qui vous arrive. J'en ai assez! Vous pouvez faire recevoir en pleine poire! À tout à l'heure, Harry. Normal, tu es médium. Pas difficile à deviner, vous quittez jamais cette pièce. Vous voulez faire une autre crise cardiaque? Le docteur Abrams m'a dit que je devais me détendre. Profiter de ma retraite. Il a dit également que c'était important que vous trouviez un hobby. Agathe est plus qu'un hobby, c'est une amie. Vous appelez votre ordinateur Agathe? Bien qu'Agathe soit extrêmement séduisante et apparemment très intelligente, ça ne vous ferait pas de mal d'avoir une activité où on rencontre des gens. Les gens sont décevants. Agathe a tout ce dont j'ai besoin. Tu sais ce qui est bien chez elle? Oui, vous pouvez continuer à fumer, ça ne la dérange pas. Elle ne fait aucune critique. Mademoiselle, qu'est-ce que tu fais? C'est ma cachette maintenant. Ah, je vois, le flambeau a été passé malgré tout. Quoi? Rien, on mange dans 5 minutes. Lave-toi les mains. Tu sais très bien qu'il faut se laver les mains avant de manger. D'accord. Quoi? Tu voudrais que j'aille à des réunions bidons? Non, non, elle n'a pas question. Marty, c'est la seule façon de t'en sortir. J'ai accepté le son de tes grands airs. Tu ne pourras pas résoudre tes autres problèmes si tu ne résous pas celui-ci. Qu'est-ce qui se passe avec Marty? Dana l'a fichu à la porte. C'est vrai? Elle a bien eu raison. C'est un sale type, tu sais. Toi, ça va? Oui. Il a fini par le dire. L'accident, c'est ma faute. Sa vie complètement ratée, c'est ma faute. Et il considère que ce serait à moi de réparer. Mais c'est ridicule. Oui, je sais bien, mais ça... Ça me touche quand même. D'une manière déplaisante. C'est pas comme avec toi. Le dîner sera prêt. Dans un instant, tu as le temps de te laver. D'accord, je veux bien me laver. À tout de suite. Je ne serai pas long. Ça sent bon. Oh ah, de l'eau froide. Il faut mettre de l'eau froide. Je n'ai rien de bien.
faut être nul dans un domaine pour pouvoir être parfait dans tous les autres. Ah, oh, je t'en prie. Comment tu fais? Tu m'insultes et je ne suis pas vexée. Je lis des magazines féminins. Et là, tu es censée me répondre avec une indifférence froide et sexy. C'est exactement ça. Où sont passées les filles? Elles sont en haut en train de se déguiser. Hé, les filles, le dîner est prêt! Tu es quoi, Hélène? Une princesse. Magnifique. Et toi? Ah, je vais pas piner. Merci, Moody. La famille Bagnon vous salue. Prenez les enfants. Oh, regardez qui arrive. Oh, est-ce que vous êtes jolis, mes chéris? Allez, servez-vous. Attention, les enfants! Reste pas là, va-t'en! Oh, ça va, Marion? Non, rien du tout. Ça va, Bill? Oh, Louis. Ça va aller? Oui. Vous êtes ensemble? Oui. Faites attention à lui. Ce Bobby Mills finira un jour par tuer quelqu'un. Claire, je te laisse avec les enfants. Où tu vas? Je vais dire deux mots à ce garçon. Oh, Ben, je t'en prie. Mais il faut que quelqu'un le fasse, et moi j'ai de l'expérience dans le domaine de la conduite irresponsable. Je resterai calme, d'accord? Je te promets. Passe une bonne fin de soirée, on se voit demain, je te raconterai tout. J'ai rien trouvé d'intéressant. Bonsoir. Bobby, c'est ça? Bobby Mills? Ben Godreau. C'est une situation assez bizarre pour moi, mais je voulais vous dire que... Quoi? Quand j'avais votre âge, j'ai eu un grave accident de voiture et il y a eu plusieurs morts. Vous blaguez là ou quoi? Non, mon copain qui conduisait a passé des années en prison. Et moi, je m'en suis jamais remis tout à fait. Vous êtes venu chez moi pour me faire la morale? Bobby, j'avais pas l'intention de jouer les moralisateurs. Je voulais seulement partager mon expérience avec vous. Je m'en fiche complètement, grand-père. Pas besoin de vos conseils. Maintenant, vous allez dégager et vite fait. Je voulais vous éviter d'avoir des ennuis. J'ai dit pas besoin de vos conseils. À cette époque, moi aussi, je ne pensais qu'à ma petite personne. Et c'est vraiment minable comme façon de vivre. Dehors. Écoutez-moi bien. Si vous renversez l'un des enfants, Bobby, je reviens ici et je vous jure que je vous fais la peau. C'est compris, Caïd? Chérie, qu'est-ce que tu fais debout? Je t'attendais, maman. Allez, ma puce, on y va. D'accord. Ouais, c'est ouvert. Dis donc, il était temps. Si tu veux me faire peur, c'est raté. Et ce masque, c'est une cagoule. Le shérif Birch m'a filé une amende pour conduite dangereuse. Il m'a dit que je risquais de tuer quelqu'un. Allô, Ben, c'est Claire. Rien d'urgent, on se verra demain. Bonne nuit. Salut, fiston! Comment ça va? Marty, tu n'as rien à faire ici. Il faut que tu t'en ailles. Hey, j'ai un fils, c'est chez vous, frère. Danny, mon chéri, il va à l'école. Je passerai te prendre tout à l'heure. Viens par là, viens par là. Tu as plutôt intérêt à le laisser partir. Ne menace pas, Dana. Marty, bonjour. Comment ça va? J'ai jamais été aussi bien, Claire. Marty,
Tu n'as pas le droit de nous approcher par décision de justice. Alors si tu n'es pas parti dans 30 secondes, je téléphone au flic. Comment va votre petit ami? Il n'a pas l'air très heureux de me voir ces temps-ci. Il va bien, merci. Ça suffit. C'est vrai, va, je suis content pour vous. Ça y est, Marty, les 30 secondes sont passées, j'appelle la police. Ne me donne pas cette peine. Je n'en ai pas assez avant de rentrer. La jolie Madame Bagnon sera bientôt la misérable Madame Boudreau. Bonne journée, mon capitaine. C'est terrible, mais je me dis que si une voiture le percutait, je serais bien débarrassée. Toujours, ma grande. Qu'y a-t-il? J'ai vu quelque chose hier soir. Vu quelque chose? Tu as eu une vision? Oui, appelez ça comme vous voulez. Ça concerne l'une des filles? Non, et avant que vous ne le demandiez, ça ne vous concerne pas non plus. Je ne sais pas du tout quoi en penser. J'ai vu plusieurs images qui se bousculaient et qui ne semblaient pas avoir de lien entre elles. J'ai vu un couteau, un très grand couteau de cuisine avec lequel on tuait un jeune homme. Un grand couteau de cuisine? Regarde, Bobby Mills a été tué hier soir à coups de couteau. Un jeune homme tué à Somerset. On risquait de tuer quelqu'un. Bobby Mills. Le même Bobby Mills qui a failli écraser un enfant hier? Oui, c'est dans tous les journaux. Tu n'as rien lu? C'est pas pour ça que tu es là? Non. Écoute, ne t'énerve pas. Qu'est-ce que tu dirais si j'allais voir Birch, le nouveau shérif, pour lui proposer ton aide sur cette affaire? Mon aide? Oui, en utilisant des machins-choses. Non, c'est pas une bonne idée. On ferait une équipe formidable. Tes visions et mon fer de lignée. Je ne suis pas une voyante, Harry. Quant à vous, vous n'êtes plus en activité, il me semble. T'as peut-être raison sur ce dernier point. Mais tes visions, tu peux pas les arrêter. Mes extraordinaires visions n'ont pas réussi à garder mon mari en vie. Mais allons-y, pourquoi pas? Voyons voir si quelqu'un d'autre va se faire tuer suite à mes visions. Claire, tu n'es pas responsable de la mort de Jack, c'était un accident. Tu n'as pas pu aider ton mari, mais tu pourrais peut-être aider le shérif à trouver cet assassin avant qu'il ne tue quelqu'un d'autre. Ring, ring. Hey, t'as apporté des muffins? Est-ce que c'est gentil? Oh, Benny, c'est vous qui avez fait ça? Oui, c'est moi qui les ai peints et j'en suis très fière. Oh, vous pouvez, ils sont vraiment magnifiques. Merci. Ah, pendant que vous êtes là, je peux vous demander un service? Bien sûr. J'ai vendu ces deux tableaux ce matin et j'aurais besoin d'aide pour les mettre dans la voiture. Ah, mais oui. Merci. Je prends le plus grand. Allez, les filles. Qu'est-ce que tu fais? Oh, tu m'as fait peur, j'ai cru que c'était les filles. C'est une petite surprise que je leur prépare. C'est très joli. C'est vrai? Oui. Le dîner est presque prêt. Tu m'as fait un gâteau? Comment tu le sais? Il y a des traces de farine partout sur le visage. Ça veut pas dire que j'ai fait un gâteau. C'est la seule chose que tu saches faire en cuisine. C'est malin ça, hein? T'es au courant pour Bobby Mills? Oui, les gens ne parlent que de ça aujourd'hui. Je devais aller lui rendre visite hier soir. Je sais, mais tu y es pas allé. Non, je me suis calmé et j'ai renoncé. À son âge, moi, je n'écoutais personne, alors. J'arrive dans une minute. D'accord. Vieille Harry ne sait pas ce qu'il manque. Où il est? Je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Et toi, Claire? Je l'ai vu, il allait bien. La retraite n'a pas l'air de trop lui convenir, on dirait. Non. Ah, il aimait tellement son boulot. Effectivement. Mais il voit très souvent le nouveau shérif et toute la bande de policiers. Il tient à rester dans le coup. J'ai mal au cœur, maman. Elle est fâchée parce que Ben a planté des fleurs avec moi et pas avec elle. Oh, je suis désolée, mais t'aurais dû venir me le dire, ma puce. Je me sens pas bien du tout. Maman, je vais me coucher. Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Je sommeille. Bon. Ben alors, mets ton pyjama et je reviens te faire un bisou, hein? Maman, tu vas te marier avec Ben? Mais ma chérie, pourquoi tu dis ça? Papa me manque. Oui. Je reviens. Mmh.
Maggie mange dans sa chambre, elle a encore des devoirs à faire. Je peux aller lui chercher une assiette, si tu veux. Non, non, ça va aller. D'accord. Il ne reste plus que toi et moi, alors. Qu'est-ce que c'est ? Reste ici. J'ai failli vous sauter dessus. Où est le gâteau? Le gâteau? Où est le gâteau? Oh, Harry, est-ce qu'Agathe sait que vous la trompez? Je crois qu'elle ne dira rien. Elle sait que je reviens toujours vers elle. Qu'est-ce que vous faites ici aussi tard? Attention, je ne m'en plains pas du tout. Je pensais qu'on pourrait finir la discussion qu'on a commencée cet après-midi. Oh, je vais voir comment vont les filles. Bon, alors, quoi? Après notre discussion, je suis allé au commissariat. Ils auraient vraiment besoin de ton aide. Je ne vois pas quelle aide je peux apporter. J'ai vu un grand couteau de cuisine très ordinaire et quelques couleurs. Souviens-toi, la première fois que tu m'as parlé de tes visions, tu m'as dit qu'elles se précisaient quand tu te concentrais. Oui, oui. Toute la ville est terrifiée. Plus de la moitié des appels au commissariat proviennent de personnes qui, au moindre bruit, croient qu'il s'agit de l'assassin. On n'avait pas eu un seul assassinat depuis 1996. Honnêtement, la police ne sait plus où donner de la tête. Qu'est-ce que je peux faire? Viens avec moi au commissariat demain. Je veux connaître tes impressions. Et voir si tu as des visions à partir de certaines photos. Merci pour le dîner, c'était vraiment excellent. T'en prie. Dis-moi, ce truc avec la police, t'es sûr de vouloir le faire? Quel genre de vision tu as? Quelle sorte de choses tu vois? Oh, ce sont des... j'en sais rien. Des personnes, des nombres, des images, des choses qui n'ont ni qu'une tête. Ah. Ça m'inquiète un peu. Pourquoi? Et si on commence à savoir que tu aides la police sur cette affaire, je crains que tu deviennes une cible. Vous allez dégager, vite fait. Claire. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Il y a Harry qui est dans ma cuisine et Dieu sait ce qu'il fabrique. Je vais aller voir. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain. Quelquefois, on pense voir certaines choses, mais en fait, c'est notre imagination. Tu comprends? Est-ce que tu n'aurais pas mangé trop de bonbons ce soir? Essaie de dormir maintenant, d'accord? Et ne fais plus de cauchemars. Bonne nuit. Je t'aime. Travaillez bien et passez une bonne journée. À ce soir, ma chérie.
Au revoir, chérie. Au revoir, maman. Au revoir, maman. Maman, fais attention, il y a un piège. Un piège? Qu'est-ce que tu racontes? Tu verras. Alors, cette retraite, comment ça se passe, Harry? Mollement. Vous avez arrêté la cigarette? Vous en avez une? Je ne fume plus. Vous ne fumez plus de non? Oh, Claire, j'ai bien cru que tu n'allais pas venir. Moi non plus. Je me suis garée très loin, j'ai cru que j'allais jamais arriver. Tu n'as pas d'inquiétude à avoir, tout se passera très bien. Oui. Oh, je te présente l'agent Ryan. Et voici le shérif Birch. Claire, il doit rencontrer Claire, si vous voulez bien me suivre. On va aller dans mon bureau. Asseyez-vous, je vous prie. C'est une jeune femme victime d'un accident de voiture. Elle avait 32 ans. Il vaut peut-être mieux que vous ne m'en disiez pas trop. Non. Elle a reçu une balle. Elle a reçu une balle. Elle n'est pas morte dans l'accident. Elle a été tuée avant. Bon. Et celle-ci, qu'est-ce que vous en dites? Scénario. Une mise en scène. Ça a l'air vrai, mais c'est un exercice de lutte contre les pirates de l'air. Je vous testais, Claire. Maintenant qu'on en a fini avec les formalités, on va peut-être travailler. Voilà, c'est ici que ça s'est passé. Je crois que ça marcherait mieux si vous ne restiez pas là à me regarder. Ah, désolé. Est-ce que je peux toucher les choses qui sont là? Oh oui, bien sûr. Les gars du labo sont déjà passés. Touchez tout ce que vous voulez. Ouais, c'est ouvert. Dis donc, elle était dingue. Moi, je trouve qu'il mérite d'être écrasé, ces mioches. Il a été tué là, sur son divan. Ce match, c'est une cagoule. Si tu veux me faire peur, c'est raté. Il a parlé de... Si tu veux me faire peur, c'est raté. Vous voyez l'assassin? Non, il a un masque. Eh bien, on sait au moins qu'il portait un masque. Et Bobby Mills le connaissait? Non, non, j'ai l'impression que cette personne n'était pas quelqu'un que Bobby connaissait. Vous pouvez nous dire autre chose? Bobby n'est pas sa première victime. Quoi? Combien d'autres? Deux, je crois. On n'a aucun crime non résolu à Somerset depuis les années 60. Je ne suis pas sûre pour les deux autres victimes, mais je continue à voir le couteau utilisé. Un grand couteau, l'un de ceux dont les cuisiniers se servent. Il porte une cagoule bleue. Allez, ma jolie Agathe, tu sais qu'elles sont là quelque part. Trouve-moi ces deux victimes. Fibre de laine bleue. Recherche. Allez, ma
ma chérie. Vas-y, cherche. Nous avons quelques appels. Salut, Jerry. Salut, Bill. Qu'est-ce que tu as à dire? Je voulais juste savoir où on en était avec le thermobimile. Si le shérif Bagnon était encore en exercice, l'assassin serait déjà sous les verrous. Ça, j'en sais rien, mon vieux. Il faut lui laisser un peu de temps, shérif Birch. Ah, tu crois pas? On va finir par le dégommer, cet assassin. Vous avez de la visite. Qui est-ce? Harry Bagnon. Salut, Harry. Ça se passe? Bonjour, Ryan. Je crois que je les ai trouvés. Trouvés quoi? Deux victimes poignardées en un mois, l'une à Casper, l'autre à Monroe. Je veux bien croire que tu aies trouvé quelque chose, mais des crimes de ce genre sont vraiment très communs de nos jours. C'est possible. Mais dans les deux cas, on a retrouvé des fibres de laine bleue sur les lieux du crime. Et je sais qu'on a retrouvé des fibres de laine dans la maison de Bobby Mills. Je parie que ce sont les mêmes. Allez, Harry. Merci pour le café. Tu vas où? Bonjour. Je vais à la laverie laver mes vêtements de travail et les chiffons que j'ai utilisés. Tu peux les mettre dans ma machine? Oh, non, non. C'est pas un cadeau. Non, arrête, je les laverai avec les affaires des... Non, tu sais, y a de la peinture dessus et aussi de la sueur. Ça me remplira ma machine. Ah. J'insiste. Allez, donne-moi tout ça. Ah, t'es vraiment un amour. Bon, ben voilà. J'ai cherché à te joindre au téléphone hier soir. Ah oui, je suis rentré très tard. Il y avait un accident. Ça m'a pris 40 minutes. La lessive? Non, sérieusement. Je tiens beaucoup à toi, Claire. Jack, non, on s'éteigne. Je sais. Mais c'est ça le problème. Je suis désolée. M'aimer ne signifierait pas que tu n'as pas aimé Jack. Je ne cherche pas à le remplacer, tu comprends? Oui, je comprends. Bon, qu'est-ce qui t'arrête, alors? Il me manque encore. Maman! Maman! Il est arrivé dans ma chambre! Montre-moi ce monstre, que je lui fasse sa fête. Elle est énorme! Non, ça me fait pas peur. J'ai encore jamais perdu une bataille contre une araignée. Maintenant, vous allez dégager et vite fait. Je suis en colère contre Danny. Je suis vraiment fâchée et plus que tout, je suis en colère contre moi-même. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a frappé un autre élève. Je sais, c'est pas si terrible après tout, mais je pensais en avoir fini avec ça. Je suppose que quand tu vois ton père frapper ta mère pendant 5 ans, ça te semble normal de cogner. Tout ça est ma faute. J'ai accepté cette situation tellement longtemps que Danny croit que ce comportement est correct. Non, Dana, ce n'est pas ta faute. Tu as fini par te rebeller et par le mettre à la porte. Ça jouera sur l'attitude de ton fils. Merci, père. Je vais chercher un autre café. Je t'en ramène un? Non, non. Il est où, ce petit ami? Je le remplacerai, moi, où il est? Commencer? Oui. Quelle jolie famille. Oui, oui. Il nous voit le commande alors? Non, non, en fait, c'est ma famille. Un hommage que je lui rends. Un hommage? Oui, je les ai tous perdus dans un accident de voiture il y a des années. Ma dernière petite fille avait l'âge d'Hélène. Je suis vraiment désolée. De l'eau a coulé sous les ponts. J'ai appris à me débrouiller avec. Vous baignez d'après d'anciennes photos? Oh non. Ma mémoire m'est bien plus utile que n'importe quelle photo. Je suis sûre que ce sera très beau. Merci.
Ça vous dit de venir dîner ce soir? Oh, c'est très gentil. Vous venez alors? Oh, oui. À 6h? Oui. Parfait, alors à 6h. Je vais apporter quelque chose. Votre présence. D'accord. Merci. Vous n'auriez pas dû me resservir. Vous allez me faire grossir, c'est ce que vous voulez. Je ne supporte pas qu'il y ait des restes, alors j'engraisse mes invités. Je vais débarrasser. Non, laissez. Non, vous êtes sûre? Vous allez le faire toute seule? Oui. Je crois que je vais pouvoir peindre 2 ou 3 heures avant d'aller me coucher. Moi, ce qui me détend le plus, c'est de faire la vaisselle. Je vous raccompagne chez vous? Non, non, merci, ça ira. Bon. Où est Hélène? Elle est dans notre cachette. Elle est où, cette cachette? Ben, si on le dit, c'est plus une cachette. On est en plein dans les secrets de famille. Si je vous le dis, il faudra que je vous tue. Bonne nuit. Bonne nuit. Comment ça, non? Ta sœur n'a rien avalé. Elle n'était pas de très bonne humeur. Arrête la télé, c'est l'heure d'aller coucher. Je voulais juste... Je l'ai dit au lit. Bonjour, vous êtes chez Ben Goodreau. Laissez-moi un message, je vous rappelle à mon retour. Mais où est Ben? Je t'apporte des biscuits. Bonjour. Désolée, j'ai menti, c'est ton dîner. C'est vilain de mentir, faut pas le faire. C'est un faux mensonge, je te dis, voilà les biscuits, mais avant, tu avales ton dîner. J'adore ce que tu as fait de cet endroit. S'il y avait quelques trucs en plus, ce serait encore mieux. Ah oui? Quel genre de truc tu voudrais? J'aimerais avoir du bleu. J'aime bien cette couleur. C'était celle que ton père préférait. Oui, je sais. Tu le sais? Comment tu te souviens de ça? J'en sais rien. Quelquefois, je sais des choses. Je savais qu'il y avait un piège quand tu as vu le shérif. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu sais, dont tu voudrais me parler? C'est souvent que j'essaie de te parler de tout ça, mais tu m'écoutes jamais. Ma chérie, là, maintenant, je t'écoute. Je t'ai dit de faire partir ses yeux qui me regardent tout le temps, mais ils sont toujours là. Et continue à me regarder. Et ils sont là en ce moment? Je les vois seulement la nuit. Et ils sont toujours dehors. Mais ici, dans ta cachette, est-ce que tu les vois? Ils sont dans la remise. Chérie, viens, on y va. On monte retrouver ta sœur. Bien, tu vas dans ma chambre avec ta sœur et tu fermes la porte à clé. Pourquoi? Fais ce que je te dis, s'il te plaît. Je viens vous voir dans un moment. Allô? Ah, Harry, est-ce que vous pourriez passer nous voir? Tu as vraiment vu quelqu'un qui passait? En fait, j'ai vu une ombre. Rien d'autre? Hélène a vu des yeux. Il fait nuit noire. Elle fait comment pour voir des yeux? Attention à la marche. Ça va, chérie? Il n'y a rien de grave? Non. Je suis désolée de t'avoir effrayée. Il n'y a rien qui te faisait peur quand papa était encore avec nous? Rien du tout. On s'en sort assez bien, non? Oui. Mais quand même, il me manque souvent. Si tu essayais de dormir. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ça va, les filles? Oui, elles s'endorment vite. C'est ce qui est bien quand on est petit. Les parents peuvent tout arranger. Tu es sûre qu'Hélène a des visions? Vous savez, j'avais le même âge qu'Hélène quand j'ai commencé à en avoir. Et ça fait peur parce que c'est comme un grand puzzle. Et il y a beaucoup de pièces qui manquent. On peut presque tout voir. Mais on a du mal à savoir où les différentes pièces vont. Toi, tu vois un couteau de cuisine et Hélène voit des yeux. Je sais que c'est qu'une petite fille, mais quand elle m'a dit avoir vu des yeux dans la remise, je l'ai cru, Harry.
Il y a des gens qui savent que je travaille avec la police? Bien sûr que non. Birch ne peut pas claironner sur tous les toits que la plus grosse affaire qu'il a depuis 20 ans est entre les mains d'une voyante. Sinon, il risque d'y avoir des élections anticipées pour le virer et l'enfermer dans un asile. Je voudrais voir les dossiers. Mais Birch est en train de te réunir. Très bien. Harry, merci d'être venu ce soir. Donna, ma chérie, ouvre-moi. C'est marqué, mon petit cœur. Allez, ouvre-moi, pour mon compte. J'ai réfléchi. Je suis d'accord pour aller voir les alcooliques anonymes. Marty, c'est vraiment bien. Mais tu peux revenir demain matin, s'il te plaît? Non. Donna, en fait, je suis venu voir Danny. Danny est chez sa grand-mère, Marty. Bon, d'accord, mais laisse-moi entrer. Allez, ouvre cette porte. Ouvre cette porte, je te dis. Donna, très bien. Fais comme tu veux. C'est pas vrai. La police, quel est l'objet de votre appel? Je m'appelle Donna Kendall. Mon mari a l'interdiction de m'approcher, mais là, il essaye d'entrer chez moi. 1818 rue Dixie. Donna, ouvre-moi! Cassez un carreau! Il est vide! Il va me tuer! Faites vite! Faites vite! Il est où ce petit ami? Je veux le voir tout ça! Martin, là! Je veux le voir! Martin! Tracker, prends le revolver de là! Martin! Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Descends! Allez, ouvre cette porte de là! De là, c'est ma maison! C'est un moyen d'y entrer! Ouvre cette porte! Mais il l'a fermé celle-là. Fuis, Sophie, je veux voir mon fils, y a pas de mal à ça. Où t'es, Donna? Arrêtez que ce soit terminé. La porte de devant, oui. Allons-y. Hey! Les mains en l'air! Prends les gestes! Pas. Allongez-vous, mettez les mains dans le dos. Allongez les mains dans le dos. Allez. Harry. Bonjour, vous êtes chez Harry. Laissez votre message. Ben. Bonjour, vous êtes chez Ben Godreau. Laissez-moi un message. Salut, Bert. Moins fort, Harry. Tu n'as pas le droit de venir sur les lieux du crime. Tu es à la retraite. Je suis consultant. Et je me fais aussi aider par une diseuse de bonne aventure. Mais c'est pas une raison pour que la ville entière le sache. Elle a tout vu, elle a vu tout ce qui s'est passé. Je l'ai vu par bribes, c'est morcelé. Donna disait... Je t'en prie, ne fais pas ça, Marty. J'aimerais bien que cette affaire soit aussi simple qu'elle en a l'air, Claire. Mais ce crime-là... On retrouve exactement les mêmes éléments que dans les trois autres crimes, le couteau, les fibres de laine bleue. Et on vient de trouver de nouvelles preuves. Des particules de peinture séchée. Donc il y a un lien avec les affaires Lancaster et McGraw. Oui. Tu crois que Marty Kendall aurait pu commettre les quatre meurtres? C'est là que la situation devient plus délicate. D'après les voisins, Kendall est arrivé ici peu après 9h et il a tambouriné à la porte. À 9h15, le central a enregistré un appel de Donna disant que son mari, enfin son ex-mari, essayait de pénétrer de force dans la maison. Mais écoutez ça, les dernières paroles que l'agent du central a entendues prononcer par Donna avant d'envoyer une voiture sont celles que vous avez entendues. Je t'en prie, ne fais pas ça, Marty. C'est exactement ça. Mais ça m'a l'air assez clair. Qu'est-ce qui est délicat là-dedans? Quand nos hommes sont arrivés, Marty Kendall se tenait penché sur le corps de sa femme, mais il n'avait ni cagoule ni masque. Et on n'en a pas trouvé dans la maison. Pas de couteau non plus. Et pour compliquer davantage la situation, on n'a pas trouvé la moindre trace de sang sur le corps de Marty. Il a pu jeter le couteau et la cagoule. C'est ce qu'on a pensé, mais on a fouillé absolument partout et on n'a rien trouvé. Il est où maintenant? Au poste, on l'interroge. Je peux voir les lieux du crime? Mon fils aussi! Voir mon fils, il n'y a pas de malade! Thank you.
Ouvre cette porte là. Dana avait un revolver? Dans une boîte fermée à clé, dans ce tiroir. L'assassin portait la fameuse cagoule. Dana! Claire, tu vois autre chose? Ici aussi tard? Où est ta chemise? Celle que je mets pour peindre? Oui! J'en sais rien d'habitude, je la mets ici. Ah, là où tu fais la lessive, peut-être? C'est le premier endroit où j'ai regardé. Elle n'y est pas. La dernière fois que tu l'as vue, c'était quand? Et j'en sais rien, je ne me souviens pas. Je peux savoir ce qui se passe. Dana a été assassinée hier soir, chez elle. Quoi? Tu ne le savais pas? Non, pourquoi veux-tu que je sois au courant? Tu crois que c'est moi qui l'ai tué? Je n'arrête pas de voir ta chemise et je n'arrive pas à te joindre. Où t'étais passé? Je cumule deux ou trois chantiers en même temps en ce moment. Pourquoi es-tu là aussi tard ce soir? J'étais venu pour t'assassiner. Mais j'ai changé d'avis. Chérie, tu dors pas? Maman, c'est vrai qu'Hélène voit des yeux quelquefois la nuit? Mmh. Oui. Mais il n'y a aucune raison d'avoir peur. On n'est pas en danger. De temps en temps, elle voit des choses comme moi, j'en vois. Pourquoi moi, je vois jamais rien, alors? Eh bien, parce que toi, tu ressembles davantage à ton père. Il savait faire toutes sortes de choses que je ne savais pas faire. Comme quoi? Il jouait de la guitare. Il faisait très bien la cuisine. Et... oh, il avait la main verte, c'était incroyable. Comme moi. Oui, oui. Il faut que tu dormes maintenant. Tu as une grosse dictée demain. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, ma puce. On peut se retrouver dans le bureau de Birch. Il a reçu les dossiers. Je voudrais que tu jettes un œil. Harry, vous avez dit à Birch que mes impressions sont moins fiables quand je connais la personne? Mais non, voyons. Bon, très bien. Écoutez, je finis de donner le petit déjeuner aux filles. Je pense pouvoir être là-bas dans à peu près une heure. D'accord. Harry, ôtez cette cigarette de votre bouche. Oui, maman. Franchement, les sucettes au petit déjeuner, moi, ça ne me convient pas du tout. Je sens qu'il y a là quelque chose, mais... ça m'échappe. Vous êtes sûr que les victimes ne sont pas apparentées? Elles ne se connaissaient pas. Pourquoi? J'ai l'impression étrange qu'elles sont toutes de la même famille. Ça ne peut pas être ça, c'est autre chose. Non, non. C'est vraiment très fort. Famille, famille. Ah, c'est magique. Alors, les filles, fais-moi voir. Les yeux? Ils m'ont encore regardé la nuit dernière. Mais c'est une personne que tu as dessinée. Bah oui, c'est sûr, Oncle Harry. Les yeux appartiennent à une personne. C'est pas la chemise de Ben, celle avec des traces de peinture dessus. Évidemment, Dana était mariée à Marty, mais les autres n'étaient pas apparentés. Non, non, c'est plus que ça. Claire, je crois que tu n'es pas la seule à voir l'homme masqué. C'est Hélène qui a fait ça. Il porte la chemise de Ben. Elle est trop jeune. Elle ne comprend pas ce qu'elle voit. Moi-même, je ne comprends pas toujours ce que je vois. Elle a vu Ben tuer Dana. Elle a vu quelqu'un avec la chemise de Ben tuer Dana. Oui, et une chemise qui a disparu. Tu as dit que tu ignorais où Ben était le soir du meurtre. Il travaillait. C'est ce qu'il prétend. Il était peut-être chez Bobby Mills. Ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Il a peut-être menti. Oh, je ne comprends pas, shérif. Vous avez Marty Kendall. Vos hommes l'ont vu se pencher sur le corps de Dana. Oui, mais on n'a jamais retrouvé ni de cagoule ni de couteau. Et sans ces éléments, toutes les hypothèses sont permises. Je ne peux pas inculper Marty Kendall. Et je vais devoir interroger Ben.
travaillez pour Revland Construction, c'est exact? Oui. Mais de temps à autre, vous faites des petits boulots à côté, exact? Oui. Vous avez beaucoup travaillé pour Claire? Oui, beaucoup. Et quand vous travaillez pour Claire, vous portez habituellement une chemise avec des traces de peinture que vous rangez dans sa remise, c'est bien ça? Tout le monde me parle de cette chemise. Je sais pas du tout où elle est. Elle a disparu. J'espère que vous dites la vérité, Monsieur Goodrow, parce que mes hommes sont en train de perquisitionner chez vous. D'accord. Vous êtes déjà allé à Monroe? Non. Par contre, vous êtes déjà allé à Casper. Vous y avez travaillé il y a un mois, exact? Oui, en effet. Pourquoi? Il y a eu un meurtre à Monroe, et il y en a eu un autre à Casper. Parlez-moi de Bobby Mills. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Harry dit que vous avez vu Bobby Mills le soir de son meurtre et que vous avez quitté Claire et ses deux filles pour aller dire à ce jeune homme ce que vous pensiez de sa conduite. Ce qui est curieux, c'est que Claire vous a demandé plus tard si vous l'aviez vu et vous avez dit « Non, je n'ai pas vu Bobby Mills ». J'ai menti à Claire. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, je crois que j'ai eu peur. Je voulais pas... J'ignore pourquoi. Je suis allé le voir, je lui ai parlé quelques minutes, je suis pas resté longtemps. Je voulais l'aider, mais il voulait rien entendre de ce que j'avais à dire. Alors je suis parti, je suis resté très peu de temps avec lui. Et j'ai pas tué Bobby Mills. Bien, nous verrons. T'en penses quoi? J'en sais rien pour l'instant. T'as pas dit à Ben qu'on avait établi un lien entre lui et les deux victimes? Non. Il faut reconnaître que c'est un peu tiré par les cheveux. Le père de Bobby Mills a peut-être fourni de l'alcool à Ben et à Marty Kendall le soir de l'accident, mais tout de même, il ne les a pas forcés à boire. Il y a pourtant des coïncidences. Le fils de Jack Mills, la femme de Marty Kendall... Je ne sais pas quel est le lien avec les deux autres victimes, mais il doit y en avoir un. Hé, hey, tu dors pas encore, ma puce? Tu te sens pas bien? Je me sens toute chaude. Oh, mon pauvre chaton. T'es un peu fiévreuse. J'espère que tu ne couvres pas quelque chose. Heureusement qu'il est chaud et douillet, c'est bien. Je suis désolée d'avoir mis Ben dans le pétrin. Oh, ma puce, tu n'as pas à l'être. Tu as seulement dit à tantôt Harry ce que tu voyais. Tu sais quoi? Moi aussi, je suis désolée. Je suis désolée que tu aies vu quelque chose d'effrayant hier dans ton cauchemar. Mais tu avais dit que tu me croyais quand je parlais des yeux. Oh, moi, oui, mon cœur, je te crois, mais toi, tu ne m'as pas parlé de la chemise de Ben. J'avais peur que tu sois en colère après moi, parce que tu aimes Ben. C'est toi que j'aime. Toi et Maggie, je vous aime toutes les deux plus que tout au monde. Mets-toi bien ça dans la tête. Tu veux me dire ce que tu as vu? J'ai vu les yeux et la chemise de Ben aussi. Et les yeux qui frappent Madame Kendall. Elle pleurait en parlant à quelqu'un au téléphone. Oui, je l'ai vu aussi. Tu as vu les yeux? Oui. Tu crois que Ben a frappé Madame Kendall? Non. Ben ne ferait pas de mal à une mouche, j'en suis sûre. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Vous avez fini votre tableau? Il me reste encore quelques toutes petites touches. Je ne veux plus que tu le regardes tant qu'il n'est pas terminé. D'accord. Shérif, vous ne pouvez pas faire ça. Ben ne vit pas ici. Je ne peux pas fouiller votre maison, mais j'ai un mandat pour perquisitionner votre remise. Comment savez-vous que j'en ai une? C'est Harry qui me l'a dit. Ma petite Maggie, on allait boire quelque chose. Allez, Maggie, viens. Très bien, je ne peux pas vous en empêcher, shérif. Mais n'approchez pas de mes filles et n'entrez pas chez moi. Entendu. C'est là, les gars, fouillez tout. Allons-y. Sam, tu prends Jeffries avec toi, vous faites le plan. Jusqu'à l'arrière avec Rogers. C'est très bon. C'est assez sucré? Pourquoi la police est là, maman? Il ne faut pas rester très longtemps, mon petit cœur. Et j'aimerais bien que tu ailles voir comment va ta sœur. Hélène va bien. Si tu veux que je vous laisse, t'as qu'à me le dire, c'est tout. J'ai un service à vous demander. Je les garde. Hélène est couchée. Quant à Maggie, je vais l'occuper. Partez tranquille. C'est vraiment très gentil. Harry? Harry? Harry?
poignardé avec un couteau de cuisine. Accident de voiture, 2 morts, 3 adolescents ivres arrêtés. Harry! Je l'ai trouvé, les gars. T'as trouvé quoi? Qu'est-ce qu'il a trouvé? J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. C'est quoi? Voyons voir ce que c'est. Ah, effectivement, c'est intéressant. Hélène, ma petite chérie, tu ne dors pas encore? Où est ma maman? Maggie ne t'a rien dit, elle a dû sortir, elle ne rentrera pas très tard. Je me sens pas très bien, j'ai pas faim. Oui, je sais, chérie. Oh, mange un peu de soupe pour me faire plaisir. Je voudrais voir ma sœur. Mais elle n'est pas venue te voir il y a un petit moment. Je vais la chercher. Je reviens dès que j'ai trouvé Hélène. Maggie? Maggie, où es-tu? Maggie, sors de là, mon petit chat. Viens voir Benny, viens. Surprise! Oh, Maggie, non. Tu devrais être avec Benny. Je t'avais dit de rester avec elle. Allez, te fâche pas. J'avais envie d'être avec toi. Je resterai tranquille jusqu'à ce qu'on rentre. C'est le meilleur tour que j'ai jamais joué. Ça m'amuse pas. Pas du tout. Tu veux pas que je reste avec toi? Ramène-moi chez nous. Ici la police, je vous écoute. Que puis-je pour vous? Oui, écoutez, je suis Claire Bagnon, je travaille avec le shérif. Vous pouvez me le passer, s'il vous plaît? Ne quittez pas. Maggie? Maggie? Ah, je suis Burge, est-ce que vous m'entendez? Burge, je vous écoute. On a un appel de Claire Bagnon. Elle dit que c'est très urgent. D'accord, passez-la moi tout de suite, Phyllis. Shérif, il faut absolument que je vous parle. Je retourne chez moi, j'y serai dans quelques minutes. Je suis déjà parti de chez vous, Claire. Je ne suis pas à plus de 5 minutes de mon bureau. Dans ce cas, je vous retrouve là-bas. On change de plan, Maggie. On va au bureau du shérif. Oh, j'ai mets ta ceinture. Envie. Allez, Maggie. C'est pas drôle du tout. Maggie? 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 Tu es ici, hein? Hein? Je vais te trouver, tu vas voir. Je sais où tu es. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Comment s'appelle ce gars qui est venu ici avec un détecteur de mensonges il y a environ un mois? Peterson. Oui, c'est ça, appelez-le. Voyez s'il peut venir. Madame, où allez-vous? Madame! Non, non, c'est bon, je n'ai pas envie de discuter de Ben. Accordez-moi 5 minutes. Résidence Bagnon. Benny, c'est clair, je voulais juste vous dire que Maggie était avec moi. Oh, j'avais peur, je suis rassurée. Et Hélène, comment va-t-elle? Très bien, très bien. Vous allez rentrer dans combien de temps? Je ne sais pas vraiment, mais je ne devrais pas être longue. Ne vous inquiétez pas, tout se passe bien pour nous. Merci beaucoup. Allez-y, je vous écoute, Claire, mais ne me parlez pas de Ben.
Je suis passée chez Harry, il a tout étalé sur les murs et j'ai vu quelque chose. Attendez une minute. Nous avons déjà établi le lien qui existe entre Ben et les familles des victimes. De plus, maintenant, nous avons la preuve que votre ami Ben Goodrow est lié à ces meurtres, Claire. Qu'il est lié à ces meurtres? De quelle façon? Tu veux boire quelque chose? Oui. Je ne peux pas encore vous en parler, mais vous pouvez me croire, ce n'est pas bon pour lui. On a trouvé la chemise. Revoyons ce qui s'est passé. Marty Kendall conduisait lors de l'accident il y a des années. Donna était son ex-femme. Jack Mills leur avait fourni de l'alcool ce soir-là. Son fils Bobby a été assassiné. Et maintenant, on vient de découvrir qu'une femme, Emily Palka, a aidé quelqu'un à tenter de dissimuler l'assassinat. On va faire le lien avec le quatrième crime, j'en suis sûr. Non, shérif, non, non, j'ai vu Ben sortir de chez Bobby Mills. Je n'y étais pas, je l'ai vu dans ma tête. Bobby lui a fermé la porte au nez, Ben est parti. Et l'assassin attendait que Ben s'en aille pour entrer. C'est l'info sur Ben Goodrow? Exactement. Super, merci. De rien. Tiens, ma grande. Merci. Ça ne t'ennuie pas si je te laisse seule pendant quelques minutes? J'ai eu 10 ans cette année, vous savez. Harry nous a dit quelque chose. Oui, que les visions que vous avez ne sont pas toujours aussi fiables quand elles impliquent votre famille ou quelqu'un de proche. Vous ne croyez pas que c'est le cas ici? Quoi que vous pensiez de mes capacités... Ben est l'assassin, j'en suis sûr. Sauf qu'il a un alibi pour les 4 meurtres. On en a la confirmation. Ben Goodrow était à chaque fois dans un lieu où tout le monde pouvait le voir. Quelque chose nous échappe, ou plutôt quelqu'un... Attendez. Une personne de la famille de chaque victime s'est retrouvée impliquée dans le fameux accident de voiture. Ça ne fait pas de Ben un assassin? Ça fait plutôt de lui une cible. Mais Ben n'est pas la cible. C'est quelqu'un de proche de lui. Les yeux. J'ai compris. Regarde toutes ces photos. Mais ils sont dans le tableau de Bunny. Quoi? Le tableau qu'elle ne voulait pas que je regarde. Tous ces gens sont dans le tableau de Bunny. Cette fille, cet homme, Bobby Mills et Donna Kendall. Homme sur son tableau. Je n'ai pas réalisé que c'était Bobby Mills. Maggie, tu es sûre d'avoir vu Madame Kendall sur ce tableau? Quel tableau? Maggie! Je veux pas que tu sois en colère après moi. Non, ma chérie, je ne serai pas en colère. J'ai besoin de savoir. As-tu vu Madame Kendall sur le tableau de Bunny? Oui, et c'est pas tout. Attends, j'ai vu aussi tableau. Bunny, ma voisine, elle a perdu tous les membres de sa famille dans un accident de la route. Et elle peint un tableau qui est une sorte d'hommage. Vous avez dit que toutes les victimes étaient liées à l'accident de Marty. Oui, d'une façon ou d'une autre, oui. Quel était leur nom? À ceux qui sont morts dans cet la accident? La famille Golden, mais ils ne sont pas tous morts. La mère a survécu. Il y a quelqu'un sur le tableau qui n'est pas sur le mur. Qui est-ce, Maggie? Hélène. Hélène est dessus, j'en suis presque sûre. Bunny est avec Hélène. Hélène!
Les hommes sont en route. Ils seront chez vous dans quelques instants. Hélène ! Madame Holden. Reculez. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de ma famille, mon mari, mes petites filles. Je vais bientôt aller les rejoindre. Je n'ai pas peur de quelques revolvers. Hélène. Mais j'ai eu votre mari. Ça fait quand même œil pour œil, dent pour dent. Donc, mon boulot est terminé. Appelez une ambulance. Dépêchez-vous. Harry, ça va aller, tenez-moi. Allez, Harry, tenez-moi, je vous en prie, tenez-moi. Tes visions et mon flair de lignée. Harry. On ira vous voir à l'hôpital. Tonton Harry va s'en sortir ? Oui, il s'en sortira. J'ai une question, Claire. Je t'écoute. Est-ce que t'as pensé à un moment que c'était moi qui... Ben, non. Pas une seule seconde. Tu vois quelque chose, là, maintenant? Peut-être bien. Ça sent bon, la pizza. Ah! Vous avez fumé? Ordre du docteur. Ne fais pas ton vaudou avec moi. Votre haleine mentholée va m'inspirer. Oh, non. Doucement. Salut, les filles. Je t'en prie. Merci. Les filles. Il y a quoi dans ces sacs? J'en sais rien, moi. Il faut regarder. Tiens. Oh, des gants de jardinier. Oh, c'est gentil. C'est très gentil. Je suis très contente, mon Clary. Devine ce que c'est, maman. Je vois rien du tout. Tu n'es qu'une tricheuse. Ouvre-le, Hélène, ouvre-le. Oh, fais voir. Regardez ça. Génial. Oh. Quelqu'un a-t-il une idée? C'est un cluedo. Je refuse de jouer à ce jeu avec toi. Oh, je t'en prie. Je tricherai pas. Moi, si. Bonne idée. Qui veut de la nourriture pour lapin? Pas moi, merci. Moi non plus. Aucune badale. Tout le monde va en manger.